Donc voici notre circuit. On a, c'est un filtre actif passe-bas d'ordre 4. Pour réaliser le circuit, on a réalisé deux filtres d'ordre 2 que l'on met en série. Le type de filtre est un filtre de Butterworth afin d'avoir une réponse qui est plus prévisible, plus continue. Pour réaliser le circuit, c'est ça, on a utilisé les résistances et les condensateurs et la puce qu'on a utilisée est un TL072. Elle contient, chaque puce contient deux amplificateurs opérationnels, des amplificateurs d'acide différentiel. Donc pour réaliser notre premier test, on a notre générateur de fonction ici qui on commence avec une fréquence de 5 Hz et une amplitude de 540 mV peak-to-peak. Puis on alimente ici notre circuit avec du plus ou moins 8 volts. Puis notre ground est ici. Donc on va commencer ici. On voit qu'effectivement, le signal qu'on obtient à sortir du filtre et de type sinusoïdal, donc il n'y a pas trop de bruit. La fréquence est ce que l'on désirait. Donc si on augmente la fréquence, la fréquence, on l'augmente à 7, on va voir ici à l'amplificateur, on a 7 volts, l'amplitude crack-crack reste similaire. Là, si on l'augmente, on peut l'augmenter même à 9 volts. Donc, on voit ici que 9 volts, l'amplitude crête-crête reste encore similaire. Donc là, on va l'augmenter à 11 Hz. On voit que la forme reste sinusoïdale. Puis on observe une amplitude crête-crête qui excusez, j'ai mis du carré par accident. Donc, c'est ça. L'amplitude reste sinusoïdale avec une fréquence, une amplitude qui est similaire. Là, à ce moment-ci, on frappe la fréquence de pure. Donc, l'amplitude commence à diminuer. Donc là, on va l'augmenter à 15. À 15 Hz, on constate qu'il y a une diminution de l'amplitude à environ 25%. Là, on peut continuer à l'augmenter jusqu'à, disons, 18 Hz. À 18 Hz, c'est ça, il y a quasiment une... le signal est coupé de moitié environ. Si on continue un peu, à 21 Hz, c'est ça, il est coupé encore plus, de plus que la moitié. Et finalement... À 25 Hz, on obtient une amplitude d'environ 80 millivolts. Donc, c'est ça, il va falloir voir. Donc, c'est ça la réponse de notre circuit.